santé pastorale, il était important que les diocésains viennent voir ce qui est fait, ce que leur argent est en train de faire. Et par-delà, les inviter à continuer à participer. Et donc ça, c'est le sens premier de cette visite qui a été organisée. Le deuxième sens, c'est de les amener à savoir que le diocèse travaille. Et le diocèse à l'écoute, le cadre du diocèse, à sa tête est l'évêque, mais avec tous les démembrements des commissions, du comité. Et donc, nous travaillons et leur dit que leur argent qu'ils cotisent ne rentre pas dans le vide. Hein. Il fallait qu'ils viennent constater d'eux-mêmes ce qui est fait. Et je pense que c'est... Bon, ils sont tous ravis de découvrir que, voilà, de venir voir de plus proche ce qui est fait. C'est vrai, de passage, on voit, mais de plus proche, rentrer dans la cathédrale, mais ça donne déjà de l'espoir. Je pense que c'était aussi le deuxième sens que nous voulions vraiment imprimer à cette visite. Nous sommes à quel niveau de la construction, au niveau du gros œuvre? Le gros œuvre, nous sommes autour de 90%, justement. 90% parce que nous sommes en octobre. D'ici avant la fin du mois d'octobre, au 15, nous aurons fini tout ce qui est gros œuvre en termes de voile, voilà, périphérique. Donc, à 90%, nous pourrons évaluer. Qu'est-ce que vous appelez voile périphérique? Les voiles, vous voyez, nous avons les piliers. Mais les piliers sans contour, voilà, ça ferait un apatam. Donc, tout autour, nous avons donc des bétons. Hein, au lieu d'avoir des briques, ce sont des bétons. C'est du béton qui est fait. Du béton de 80 cm par endroit, 70 cm d'épaisseur en d'autres endroits. C'est ça que nous appelons les voiles. Et ça, les voiles, la partie centrale, c'est jusqu'à 24 mètres de hauteur. Et puis, les parties de côté est, côté ouest, nous sommes autour de 6 mètres de hauteur. Quels sont les moyens que vous donnez pour pouvoir mener à bien le travail sur le chantier? Est-ce que les ouvriers sont nombreux? Est-ce que les techniciens sont là? Oui, en termes de personnel, l'entreprise générale dispose du personnel nécessaire et puis expérimenté. Vous voyez déjà vous-même, vous constatez, d'abord la sécurité, il faut assurer la sécurité du personnel. Le personnel est en tenue de sécurité. Tous ceux qui sont sur les échafaudages sont en tout cas en dispositif de sécurité. Donc ce personnel, donc, il est déjà confiant en travaillant. En termes de personnel, l'effectif est important. Toutes les composantes sont là. Les ferrailleurs, les coffreurs. Voici la grue pour couler le béton quand cela est prêt. Vous voyez, donc tout est là pour que le gros œuvre aille vraiment comme il se doit. Est-ce que toutes les entreprises sont là? L'électricité, ceux qui s'occupent de la sécurité, incendie, est-ce que tout le monde est en place? Vous voyez, un ouvrage comme celui-là se fait par vague, je veux dire, ou bien par étape. Il y a ceux qui interviennent en premier et d'autres qui viennent par la suite. Mais tout le monde est en alerte. Hein. Je dis cela parce que pendant que nous faisons le gros œuvre, l'équipe charpente est déjà aussi sur pied pour déjà composer les éléments métalliques qui devront être utilisés. Voyez. Donc, principalement, les équipes qui sont sur place, il y a l'équipe de gros œuvre et l'équipe électricité. Voilà, l'électricité, bon, il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire l'électricité, l'entreprise qui fait l'électricité, et également tout ce qui est canalisation, eau potable et tout ça. Donc, en même temps, parce qu'il faut incorporer toutes ces conduites-là dans le béton. Donc, ces entreprises-là sont principalement là. Les autres, bon, sont en attente. Pour celui qui va faire le revêtement, par exemple, le carrelage et autres, il est en attente parce que son œil n'a pas encore.